Je m'appelle Thomas, je suis en deuxième année de thèse et je travaille sur les marchés de l'électricité en partenariat entre Centrale Supélec et EDF R&D. À l'origine, j'ai fait une école d'ingénieur et je m'intéressais déjà beaucoup aux questions d'énergie et de climat. Donc j'ai voulu compléter les compétences que j'avais déjà et qui étaient assez généralistes en essayant de développer une vraie expertise pour avoir plus d'impact et pour être plus légitime à l'avenir, notamment dans des entreprises. C'est un exercice de communication qui est intéressant et assez ludique. Et ça m'a aussi beaucoup plu de rencontrer les autres candidats doctorants dans les formations. Et même si on ne travaillait pas vraiment sur les mêmes choses, de pouvoir se faire des retours intéressants et s'aider à progresser sur la création de nos pitchs. C'est vrai que dans une thèse, on produit surtout des documents assez codifiés, comme des articles, des posters ou même des manuscrits. Là, c'est l'occasion d'avoir une visibilité un peu différente, dans un autre format. Et ça montre aussi que je peux m'adapter à un exercice un peu différent, un peu décalé, et ça change.